Bonjour! Au revoir. Yo. Alors aujourd'hui, vidéo très spéciale parce qu'on est 1 500 000 à faire cette vidéo, dont un mec qui a payé une fortune pour son arme. Bref, on est avec les Toxic Twins, donc saluez le public. Yo. Hey. Ça c'était. Bon, j'ai déjà oublié Oui. leur pseudo de merde. Oui. Non, OX et Toxic007, donc on a James Bond avec nous. Sergent Ouais. Klein c'est 007 et le mec en pyjama, Serov c'est Puisque tu me vois en pyjama, en plus, C'est putain, mais t'as OX. rien à dire. Et ensuite, Jojo Boss, c'est un autre youtubeur, X-Trail Boss, donc présente-toi, bonjour. Ah, salut. Ah, salut, c'est un Montpellier, hein, je vous excuserai. Bref, Ouais. là, on est pour une série spéciale, comme vous l'avez vu dans le titre, qui s'appelle Ma première fois, donc vous en avez déjà vu plusieurs. Alors, les deux toxiques veulent raconter leur première fois en faisant l'amour avec moi, mais on racontera pas ça. Merde, j'ai peut-être déjà raconté. Bref, là, ça sera la première fois spéciale youtubeur, c'est-à-dire la première fois qu'on a mis une vidéo. Arrêtez! La première Oui, fois qu'on a mis donc. une vidéo. Donc, je vais laisser l'honneur à Sergent Klein de commencer à raconter, puis en même temps, on joue normal. D'accord. Bon, ben alors. Raconte-le bien, D'accord, que ça ça soit marche. passionnant. Donc, ouais, on a commencé les vidéos. Ça va bientôt faire un an. Moi, tu me dis si je me trompe. Hein. Normalement, c'est le 18 février, si je ne me Ouais, trompe pas. on fera une bonne petite vidéo, je pense. Donc, ouais, notre première vidéo, c'était sur Midnight Mayhem. On avait fait une vidéo, il me semble que c'était ça. Pour représenter notre team, enfin, parce Ouais, que c'est une team de deux joueurs. c'était notre ce c'est un Bah, duo. Ouais. The Toxic Twins, hein. Bon, comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire les jumeaux empoisonnés. Donc les jumeaux, c'est deux et on peut pas prendre d'autres joueurs dans la team. Parce que Ouais. parfois, on reçoit des messages, les gens demandent et tout. Ça fait plaisir, mais bon, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que oui, non, mais aussi notre première vidéo, ça commençait pas commencer à partir de là, ça a été notre première team. Non, mais un par un, un par un, un par un. Ouais, ben là, mais je. Je fais donc voilà donc ça c'était notre vidéo quand on était sur sur notre chaîne maintenant qui existe maintenant. Sinon on avait une autre chaîne avant qui s'appelait Team Français. OX87, enfin bref c'était une team assez merdique, j'avoue que ça faisait un peu le mec qui monopolisait un peu tout le monde. Je Et dois puis apprendre à jouer parce qu'on jouait ouais avec principalement deux personnes. voilà et puis voilà on s'est perdu de vue et puis ça a été on a préféré aller chacun de son chemin, d'autres voulaient jouer sur APS3, d'autres voulaient jouer, ben bref c'était assez long, enfin assez compliqué et puis voilà quoi. Donc, mais sinon ça a été une bonne expérience hein, on les a pas perdu de J'ai bien aimé cette première fois. vue. Non mais puis voilà donc maintenant on est maintenant à 130 abonnés, on espère que ça va encore augmenter et on Ouais. fait ça pour vous. Ah, qui sont gentils ces garçons de 130 abonnés. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de youtubeur, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le petit Sylve qui a décidé d'arrêter aussi. Oui, Ah bon? j'ai vu. Enfin, On avait compris qu'il avait Ouais. arrêté, mais il l'a précisé hier avec sa petite Ouais. musique. Et d'un Ah coup, ouais, la sans vidéo. transition. Donc, comme je disais, sans transition, excusez-nous, parce que voilà, sans transition, justement, on a eu un putain de bug. Tous les jeux ont fermé dans le monde. Ou peut-être pas dans le monde, mais en tout cas, nous quatre, bizarrement. Putain de serveur de merde. Falloir que j'aille me plaindre. Et je disais, oui, que. On va rejoindre Sylve, la. On va re-rejoindre. oui, Sylve. parlez de Il Sylve. disait qu'il arrêtait pendant 1 minute 50, il a dit ça. Et puis, d'un coup, sans transition, paf, pub pour son pote. Enfin bref, on n'est pas là pour polémiquer sur. Elle était tellement facile celle-là. Oh. On n'est pas là pour polémiquer sur sa vidéo, mais plutôt pour ouais bah les toxiques là vous étiez en train de raconter votre première vidéo de folie. Tu chantes. Pardon. Ouais, voilà. Donc, franchement, c'était cool. Enfin, on est content de notre chaîne et tout. Enfin, bon, c'est pas une grande chaîne non plus, mais bon. Si. Oui, mais sur l'univers enfin, francophone BFH, c'est vrai que ça commence à être bien, quoi. Aïe! Ouais. Cortex Et, Dra-Dra style. On commence à être un petit peu connu, mais voilà, ouais. personne. Mais on est vraiment content. Vraiment Bah ouais, content. franchement, ça fait plaisir. Bah oui, on se dit quand même quand on voit qu'on, même si on n'a qu'un abonné par jour, etc., vu que pour nous ça semble exceptionnel, c'est super. Ouais, je suis bien d'accord. Vous êtes dans la queue? Zut. Ouais. Ok. La première fois dans la queue. Ça, je veux pas le savoir. Bah, X-Trail, pendant ce temps-là, tu peux raconter, toi? Je rejoins. Ouais. Il n'y a pas de Donc, place. Tu peux quitter. oui. Ouais, donc c'est moi, je peux commencer? Si vous êtes un des joueurs que je kick, désolé, hein. Vas-y, Jojo. Ouais, donc moi, en fait, avant de commencer une chaîne BFH, ben, j'avais une chaîne de Call of Duty. Ok. Mais la chaîne de Call of Duty, en fait, je me la suis fait hacker et ça m'a pas redonné envie d'y rebooter, donc j'ai laissé tomber. Et puis j'ai commencé à me renseigner auprès de youtubeurs comme OX qui m'a bien aidé pour débuter. Merci à T'as toi. pas 50 000 fans.
Ah ouais. Quand même. Ah là, t'as les boules, hein. Ouais, mais ouais. Bon, non, 750 000 fans. Y'a pas de place. Je rigole, vas-y. De toute façon, le serveur est pourri là. Continue, y'a plus d'ennemis. Non, mais laissez continuer, ouais. Sprite. Ouais, donc, comme je disais, je me suis renseigné auprès de Arceros, comment on faisait la vidéo, des vidéos avec quel logiciel et tout. Je tiens à préciser, les youtubeurs de BFH sont très sympas par rapport à ceux de Call of. Chaque fois que tu leur envoies un message, comme toi, Armoré, hein. Je les ai envoyé plusieurs messages, ils m'avaient répondu et tout. Donc, une fois que j'avais tous les logiciels. J'arrive avec ma chèvre. En même temps, sur BFH, je tiens à faire une petite parenthèse, c'est que moi, je suis sur ma chaîne, tu vois, et les gens pensent encore qu'il n'y a que plusieurs personnes qui s'en occupent, toute la TFB, alors qu'en fait, depuis presque toujours, il n'y a que moi. Donc, l'idée de s'en occuper à plusieurs a été un peu un fail. Et donc, du coup, les gens n'envoient pas trop de messages, parce que tu vois, ils se disent, ouais, je sais pas si, des fois, ils disent, je sais pas si c'est Armory ou quelqu'un d'autre qui répond. Donc, du coup, ils n'envoient pas des messages. Alors que quand ils savent qu'il n'y a qu'une seule personne, ils se disent, bon, bah, je peux lui envoyer un message. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup de messages, donc tranquille pour répondre. Non, mais c'est de préciser à chaque fois qu'on envoie un message, genre on met entre crochets, si c'est moi je mets toxique, si c'est... vous, ça peut se comprendre, mais oui, vu qu'à l'origine ma chaîne c'est celle d'une team, les gens se demandent. Donc, mais bon, je le précise, même si tous les abonnés regardent plus les vidéos, j'ai remarqué d'ailleurs, c'est très vilain, hein, je vais vous mettre des chiquettes si je vous trouve dans la rue, parce que vous regardez pas tous les vidéos. Genre j'ai presque 700 abonnés et j'ai jamais 700 vues sur mes vidéos. Donc, non, mais ça, d'accord, mais Hermo, ça va rien dire du tout ça. Jojo il m'a tué, il a tué ma chef. Non, mais pas. Par contre, pourquoi 007, si tu viens en commando, ça va pas le faire. Hein. Oh, non, mais il vient pas en commando, non? Il vient en. Mais t'es con, parce quoi? Il y avait pas de place, il y avait pas d'ennemis, ça sert vraiment. Ah, blue, en soldat. Ah, mais oui, donc Hermo, je te disais que ça change rien du tout. Il y a quand nous, quand on fait des tests d'armes, il y a 700 et quelques vues, on a pas 700 abonnés, alors on s'en fout. Oui, les tests d'armes, ça marche beaucoup plus. Même les gens qui ont pas de chaîne YouTube, comme peuvent pas s'abonner, ils regardent quand même. Quoi. Regardez, il y a Diablo X9 qui s'est fait virer de mon serveur. Putain, les mecs, il y a Diablo X9 qui est passé. Oh, sur un tag. Non, parce que j'avoue, là, je peux me permettre. Non, mais hein. C'était Sergent Alex, là. Le mec qui était dans un Skype. Ah. Qui s'appelle AF Diablo X9 Diablo, ouais. Diablo X34 Ouais, c'est ça. Bon, et ben, je pense que là, ça va être. Ah bah non, t'as pas raconté ce qu'a été ta première vidéo, Jojo. Donc une fois que j'avais tous les logiciels, j'ai commencé, je me suis créé une chaîne il y a à peu près 4 mois, ouais. Et puis voilà, j'ai commencé, donc voilà, je commençais par une vidéo et voilà. Mais c'est quoi ta vidéo? Ah ouais, là c'était une vidéo en fait que j'allais expliquer. Je me doute que si t'es là, c'est que t'as fait une vidéo, hein. Ouais, moi aussi. Donc dans la vidéo, j'ai expliqué les projets de ma chaîne et tout. Et, voilà. Et c'était quoi les projets de ta chaîne? Je me souviens que j'avais joué au Dragon Fire et que les gens, ils n'avaient pas trouvé. Là, je crois que t'avais les conseils pour faire une vidéo, mais pas pour ce qu'il fallait mettre dedans. Voilà, exact. Je suis sûr, c'est Arceus qui t'a fait une blague. Il a dit joue au Dragon Fire, les gens, ils adorent. Non. Ouais, et donc maintenant je suis à 50 abonnés. Et oui, t'as dit, vas-y, je te donne des toniques. T'inquiète pas, ça va marcher. Ça devrait augmenter les vues. Il dit que ça marche. Chaque tonique te rapporte une vue. Il t'a dit de prendre l'Omega Beamer, c'est ça? Ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi t'as des bonnes vues maintenant dessus. C'est pour ça les pouces rouges. Ah, mais je croyais que c'était l'inverse en fait. Bon, sérieusement, ouais. Maintenant, je crois que ça va être à moi les gens. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça fait quand même le 3ème épisode que je dis ma première fois. C'est toi encore, putain. Mais je suis tout seul, je compte 4 gars, c'est cool. Merci les gens. Bon, alors, ma première. J'ai évité de créer ma première fois trop fort dans ma maison parce que voilà, ça pourrait passer mal, tu vois. Le mec qui raconte ça sur YouTube. Alors, pour parler de ma bite. Non, bref, là je suis un peu hors sujet, là je fais perdre du temps. Moi, c'était au début, quand l'historique de la TFB, on va dire, quand la TFB s'est créée. Un peu plus tard, au début, bon, on faisait les cons, etc. On s'est dit, bon, tiens, ça peut être rigolo de faire une vidéo. Je sais plus du tout ce qui m'inspirait. Je crois que c'est des youtubeurs qui ont rien à voir avec BFH qui m'ont inspiré. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer. Donc, ce qu'on a fait, je me souviens, on était avec CY, Foxtrot et Sergent Bibo, que je connais in real life, you know what I mean. Donc, s'ils sont tous là, regardez, bah, spécial big dédicace et gros bisous sur les fesses. Vous inquiétez pas, les autres, vous en aurez après. Ah. J'entendais que ça depuis le début. OX est rassuré. Et je me souviens, on était sur le bateau de Buchaner Bay. Je crois pas qu'on avait de serveur, non. On avait peut-être galéré un peu pour trouver un serveur pré-game.
Et donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait Foxtrot. Oh, méchant, mais... merde. Oh, ah, j'ai tué à mourir. Oh, le bâtard. Oui, je vais entendre d'abonnés. Bonjour. Il y avait Foxtrot qui nous présentait et qui faisait les cons. Et Siwa disait en gros la chaîne. Et moi, je parlais du côté YouTube. Et puis, Sergent Bibo, il faisait de la guitare derrière comme un trisomique. Pour changer des habitudes. Et au fur et à mesure, après, il n'y a pas vraiment eu de vidéo. Donc après, on en a refait une où on faisait tous les cons à plusieurs. On devait être 6-7 sur Midnight Mayhem. Donc oui, en gros, pour résumer, la première vidéo, moi, j'étais en train de faire le con. Je me suis encore... Mais je l'ai supprimé parce que... du fait que la chaîne est complètement changée de point de vue. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a plus que moi. Avant, quand on était plusieurs, la vidéo aurait pu rester. Mais depuis que Tibius Indice, Aziac, Renvers et même Headshot... Aziac était dans la TFB. Ouais, depuis qu'ils font plus de vidéos dans la TFB, bah... Il y a un gars devant, si tu veux le mettre. Ouais, ouais. J'ai enlevé cette vidéo. Et bref, en gros, ouais, ma première vidéo, c'était... Ça, je me fais dépouiller la gueule et je suis premier quand enfin, même. Enfin, après, ma première vidéo en tant que telle... Si, je crois que je me suis installé un gameplay sur avec Armorir quand j'étais niveau peut-être 18. Avec Armorir. Oui, avec mon perso Armorir. Ah, d'accord, okay. Ah ouais, parce que t'as fait une vidéo avec ton clone, en fait. Normal. C'était sur Alpine Assault, cette map qui était encore jouée. Et ce que j'avais, c'était bon, je crois que j'avais la même arme que là. J'avais les mêmes armes que là. Juste que j'étais niveau 18 ou 20, je sais plus. À peu près les mêmes stuff. Et j'avais mis une musique qui, au bout de un an, m'a fait chier pour copyright, etc. Il y avait juste de la musique. Et je jouais. Mais c'était même pas un gameplay exceptionnel, c'était rien de spécial. C'est juste ma première vidéo. Après, j'en ai mis d'autres où peut-être je parlais. Mais au début, voilà, au début, il y avait deux vidéos qui avaient été faites par le chef l'ancien chef. Le chef. Oui, le patron. Le chef de la tribu. Le best. Donc voilà, première vidéo sur la chaîne de la TB, c'était une présentation, effectivement. Bon, on va pas commencer direct sans présentation. Ça a piqué, là. Et ma première vidéo, c'était une vidéo où je jouais comme un teubé avec de la musique et rien d'autre. Donc toutes les vidéos que je pourrais même permettre de critiquer parce qu'il n'y a rien d'intéressant dedans, bah je suis passé par là aussi. Donc si un jour je refoule les vidéos qui sont proposées à putain le mec il vient tout seul sérieux. Si un jour je refoule les volley shots, allez. Si un jour je vous refoule parce que votre vidéo est pas suffisante, bah dites-vous que moi aussi j'aurais pu être refoulé par la TFB si j'en avais pas fait partie. Hein. Et je pense que d'ailleurs, tout le monde est passé par là. Hein. Je me demande ce qui serait passé si la TFB avait eu du succès. Et n'était pas passé. Non, parce que franchement, c'est un peu vantard de ma part, mais je sais pas ce qu'aurait été la TFB si j'avais pas été là. Sans toi. Non, bah oui, sans moi, parce que peut-être que ça aurait presque rien fait de changement, mais je veux dire, regarde, c'est quand même moi qui ai tenu tout YouTube pour la faire connaître, donc ce qui a apporté des abonnés. Là, je parle de manière objective. Je suis le seul, je dis bien le seul postulant qui dès le premier jour faisait le con. Les autres, ils étaient tous timides. Dès le premier jour, j'étais seul à faire. En même temps, bon, il y avait que deux personnes. Non, franchement. et je suis aussi le premier membre TFB. Donc peut-être que s'il y avait pas, je me suis un l'autre, c'était un mec qui s'appelait Zeyor. C'était bon sur le coup, c'était vraiment un kikoulol. Et ouais, je me demande ce que ça aurait été. Peut-être que je vais remonter le temps et je vais pas je vais surveiller. Ouais, je pense. Je pense que c'est mieux. Non, mais ça m'a apporté une belle aventure, n'empêche. YouTube, tout ça. Quel con. Vous deux, entre autres. Oh, il y a Xtadia qui est arrivé sur le serveur. Ça. Oui. Je me demande ce que regardez. C'est. Regardez. Ah non, non, j'ai pas le temps. Enfin, bref, les gens, je pense que cet épisode de ma première fois est fini. On a eu une petite séquence émotion à la fin. Ouais. Et une petite séquence porno après. C'était très émouvant. C'est bon, là, arrêtez. Ah, excuse-moi. Non, cette première fois était quand même bien. Ouais, franchement. T'inquiète. Ah, ça. La fricheur. Allez, les toxiques, je vous laisse conclure la vidéo. Mais bon, on va faire ça sobrement, comme d'habitude. Ouais. Ouais, non, mais franchement, ça fait vraiment plaisir. De faire ça sobrement, espèce de con. Ouais. qu'est-ce qu'on doit comprendre par là ? La première fois, on l'a fait à deux, ensemble. Ah, c'est vrai, n'empêche. Et franchement, c'était bien, j'ai bien aimé. C'était délicat, c'était sensuel. Voilà. Ah, une vidéo sur BFH sensuel, c'est original ça. Ouais. Ouais. Je suis sûr qu'il bandait quand il a fait la vidéo. Sérieusement, pour conclure cette vidéo, sur ce, franchement, continuez à aimer The Fresh Buster. Ça fait mal. Et bien sûr, à vous abonner. Et bien sûr, on vous invite à vous abonner aussi, bien sûr, à notre petit pouce. Et envoyez plein de vidéos à la TFB pour qu'elles puissent paraître, comme ça vous fera connaître. Et en même temps, ça me fera.
ça me fera me donner du temps pour me branler et ne pas faire de vidéo à votre place. Ah ouais. Ça, c'était chic, ça m'en finit un petit peu. Tu vois, tes abonnés voulaient qu'on parle un peu de cul dans tes vidéos. Ben, ça y est, on a pas mal. Ça y est, le quota. On a eu la balle, là, Le quota est respecté. Il fallait que j'en parle un petit peu, ça y est. Ah, donc là, tu vas avoir 350 gemmes en plus sur tes vidéos. Ah, ça sera parfait. C'est bien ça. Putain, je. Mais il est bon, allez, 3, 2, 1, ouais. Coupé.